Bonjour, aujourd'hui je vais vous préparer un gratin aux épinards et pommes de terre et Abonnez-vous. poulet. Du coup, j'ai mis le blanc de poulet à cuire dans de l'eau. J'ai ajouté du sel et du poivre noir. Bon, juste ça. Ben, je laisse cuire. Et là, je vais aller préparer pommes de terre. J'ai choisi les pommes de terre carrées ou bien petites dites. Un peu chaud, je vais les mettre à cuire dans cette cuve sans huile. Elle est pratique à cuire avec l'augmentation des prix de l'huile. Elle est pratique. Je vais la mettre, je vais la programmer sur frites et hop, c'est passé. Pour 25 minutes. À 200. Allez, hop, c'est bon. Là, je prépare les épinards. Je les ai achetés comme ça à Auchan. Bon, c'est des épinards hachés. Ah bah, c'est des épinards hachés. C'est facile à préparer. Du coup, ça suffit. Les enfants n'aiment pas ça. Du coup, je vais essayer de les cacher. Là, c'est bon pour le blanc de poulet. Je vais les prendre, je vais les couper en petits morceaux. Là, j'ai préparé les frites. Du coup, je vais essayer de les mettre ici en premier. Après, je continue à faire le poulet parce qu'il est très 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 chaud. Donc, j'enlève tout ça. Je vais mettre d'abord les frites. Ah bah, comme ça. Et après, j'ajoute le poulet. Ok. Et entre-temps, là, l'épinard est... Bah, les épinards sont là. J'attends. J'aime bien les faire rapidement. Comme ça, mes enfants ne vont rien voir. Sinon, ils ne vont pas manger. Allez, vite, 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 vite. Et là, je pense qu'on est bon. Je vais rajouter de la crème fraîche liquide. Et je vais laisser quelques secondes sur vous. Allez, c'est parti. J'ai rajouté du fromage en portions. Et là, je vais rajouter les épinards. Et je mélange tout et je le mets dans le moule. Là, je rajoute les épinards avec la crème fraîche. Et je mélange. Je rajoute les œufs. Une deuxième et une troisième et je mélange tout. Il faut bien mélanger, bien 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 comme il faut. Après, on va mettre tout ça dans un moule et entre dans le four. C'est un peu chaud, hein? C'est bon. Du coup, on va bien repartir. Beaucoup, beaucoup de fromage. Je vais être généreuse. Et c'est bon. C'est parti pour le four. À 80 degrés. Pour 10 minutes, 15 minutes. Et voilà notre gratin. Je vais juste couper un morceau pour vous montrer. Et ben c'est notre gratin. Pommes de terre, épinards et poulet. Super bon.